Salut Champipote, bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui je vous emmène voir un vieux verger et je vous donne quelques petites choses à prendre en compte justement si vous désirez exploiter ce genre d'habitat qui est aussi propice aux morilles. Je vous souhaite un bon visionnage et si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. À très bientôt, ciao ciao. Là les champipotes, donc on est sur un vieux verger abandonné. Là au bout de mon doigt, un vieux pommier. Autour, vous voyez, il y a des frênes, il y a des merisiers, donc beaucoup d'arbres à sève sucrée dont raffolent les morilles justement. Ici j'ai déjà trouvé des verpes en gants, donc des verpes coniques, des morillons et des morilles. Mais cet endroit vraiment touche à sa fin, mis à part les frênes là, qui sont là, donc ça fait plaisir. Mais là-bas aussi, au bout de mon doigt, il y avait un autre pommier. Donc oui, les morilles adorent les vieux pommiers, les arbres avec de la sève sucrée justement, parce que les fruits s'amoncellent au sol. Et ça donne une matière organique à ne pas négliger justement pour les morilles, pour aider justement à leur croissance. Donc regardez, un autre bon indice, les ficaires qui sont en train de sortir petit à petit. Voilà, on est juste là, je vous montre. À côté, on a aussi des arbres morts au sol. Un autre merisier là qui est en train de se plaire. Juste là. Donc oui, si vous arrivez à trouver ce genre de biotope, ce genre d'habitat, il est très très intéressant. À ne pas négliger, justement. Les morilles qu'on trouve dessous sont surtout les morilles blondes. Donc là, il est encore beaucoup, beaucoup trop tôt. Quoique dans certaines régions, on observe déjà des morilles tardives qui sont en train de sortir. Les morilles qui sortent le plus tard, donc des esculentas, les morilles blondes qui sont déjà sorties dans quelques endroits en France. Voilà. Donc, les vergers abandonnés. Je vous montre aussi, là il y a un autre cerisier. Donc aussi un arbre mellifère à la sève sucrée. Mais ces endroits-là ne sont pas trop propices. Du moins ici. Comme vous pouvez voir, il n'a pas assez plu. La terre est assez sèche. Et pourquoi les vieux vergers abandonnés? Parce que déjà, il n'y a pas trop de piétinement, pas trop de visites. Au pire, là, vous voyez, ce sont les animaux qui sont passés, qui ont fait des petits passages. Donc ça, c'est très bien. Ça veut dire que ça a disséminé les spores un peu. Là, on va s'avancer, on va regarder. Il y a des pommiers encore vivants. Il faut bien regarder. Et donc pas de produits chimiques, donc ça c'est une très très bonne chose. Ça vous garantit déjà qu'il n'y aura pas de glyphosate. Les morilles n'aiment pas le glyphosate. Et vous avez peut-être des chances de pouvoir trouver quelques morilles. Voilà, un autre pommier. La neige a eu raison de lui, le poids de la neige. Donc voilà. Je suis content d'avoir partagé ça avec vous, les vieux pommiers, les vieux vergers. On va reprendre notre petit passage et puis on va continuer dans notre périple. Allez, ciao ciao les champipotes.